du Nord, j'ai des tas d'armes à vendre. Je suis né à Moscou. Mais je n'ai aucun souvenir de cette époque. Je n'étais qu'un enfant quand l'ancien monde a été détruit dans les flammes du cataclysme nucléaire. Avec 40 000 autres, nous nous sommes alors réfugiés sous la ville, dans les stations de métro. Depuis 20 années ont passé, et quelques âmes courageuses ont survécu, subissant un hiver sans fin. Le métro était notre demeure, et notre forteresse, face aux mutants terrifiants qui parcouraient les tunnels. Nous n'avons jamais perdu l'espoir de retourner à la surface. Mais un jour, une nouvelle menace est apparue. Et nous nous sommes retrouvés en guerre pour la survie même de notre espèce. De munitions, de couteaux et d'explosifs.
feu de lancer, silencieux et mortel. Ces balles, c'est pas du soft. Je peux vous le garantir. Nous y voici. Même l'apocalypse n'avait pas réussi à nous empêcher de nous entretuer. Salut Raven.
Je vous félicite d'être arrivé sur le front. Je suis sûr que nous allons créer notre partie. Le futur de la station de Lénine et de l'humanité est à présent entre vos mains. Chantez avec moi. Que quelque chose cloche. Arrête des balles de 762, j'aime bien. Le marxisme est la lumière légendaire au bout du tunnel.
tunnel. Et alors, qu'est-ce que le parti peut nous enseigner à propos des mutants à deux mètres de la ligne de Yoskaya? Merci pour le spectacle. Silence! Rassemblez vos putains de tête! C'est ma peine. J'ai juste peur qu'on ne dure pas assez longtemps. Parents du tribunal révolutionnaire! Version de base, on pouvait pas le sauver. C'est bien, un petit point de sauvegarde ici, ça me met bien. Ça. Net là-dessus. On perd du karma que si on tue les ennemis qui se rendent. Et ils sont scriptés pour se rendre. Donc, en principe, si tu ne ferais pas dans tout ce qui bouge, ça devrait passer. Je crois qu'il y a deux endroits où un ennemi se rend. Je crois que c'est ouais, juste deux. Et si tu tues un ennemi qui se rend, bah, apparemment, tu perds... Merde. Il a fait un petit pas bizarre là et j'ai rien écouté à cause de ça. Oh. Thank you.
qui est là. Ouais, ils ont pu savoir que j'étais là. Ah, enfin. Je voulais péter les lampes pour faire ça proprement, mais en fin de compte, je crois que ce sera mieux juste sans péter les lampes. Pourquoi il décide de venir ici? Ah, comment ils ont pu déduire que... En fait, il y en a un juste en dessous de moi ou sur le pont, je sais pas. Ah, sur le pont, en dessous du pont. Voilà. Il est pas mort.
également ces mecs-là, je crois que si on les tue, on perd aussi du karma. En fait, je ne sais pas où elle est. Il y aurait moyen de les toucher. Et ça me fait chier à tirer une rafale comme ça, sans putain de raison. Où il fallait pas. C'est parti dans l'élan et tombé dans le trou.
Je veux dire, dans... ici en dessous. Avoir une bille dedans. On avait deux, et apparemment c'est suffisant. Ici dans le coin là. Je serais plus dire s'il y avait des plans là. Je suis jamais venu ici. Dans le jeu de base, il y a pas moyen de retourner. Il me semble. On va voir ce qui se passe quand j'interagis avec eux. Peut-être pour prendre... Oh non. Peut-être pour prendre leur armure. Non. Non. Des balles.
de spawn. Ah c'est... Non. Ah putain. Ouais ok. Pas mal. Oui carrément. Merci, camarade. J'ai entendu dire qu'il y avait un ranger dans les parages. Bon travail. Je poserai pas de questions sur votre mission ici. On va se regrouper et se retirer. C'était un honneur de vous rencontrer. Et encore merci. C'est juste un tout petit générateur. Enfin, oh le jeu de base. Oh, c'est juste un tout petit générateur avec le câble à enlever. Ah, l'alimentation en essence. C'est la petite icône d'ampoule. Sur la Night Vision, je crois pas pourquoi il y a une petite icône d'ampoule allumée. Parce que si la Night Vision ne fonctionnait pas, je crois que je le remarquerais. Apparemment, on peut pas l'assommer, lui. Peut-être parce que je suis venu de front, je sais pas.
je pensais que ça serait fait autrement. Attention, les cocos arrivent. Charge. Qui venait normalement. Voilà. Si c'est une AK, c'est pour 4M, non? Clang. Un pack de balles dans ma gueule. Des rats. Jeu de base des couteaux, ils étaient chiants, c'est que n'importe quel morceau d'armure suffisait à le stopper. C'est logique. Ah bon. Je sais pas où elle est du coup. Bon, y a franchement aucun corps dans le coin. Voilà, tu peux repartir. Bien qu'il avait entendu quelqu'un marcher encore.
À un moment, il me semblait avoir vu un Nokia 74U à terre, mais on pouvait pas la ramasser. Les bandits, je crois. Taux de lancer, pas très OP. Où on a une moto pour faire un petit jump. On a 6B. Ah, ok, j'ai rien dit. Pas grave. Soit plus lisse. Donc on s'occupera quand même de briser. Ça c'était pas très très discret. C'est qu'ils m'ont eu juste parce que je suis allé en plein dans la lumière, pas discrètement. C'était accro.
avancer. Truc particulièrement chiant dans les jeux vidéo quand il y a la discrétion, la transmission de pensée entre les PNJ. Merde. Ça, dans les jeux Ubisoft, c'est limite obligé. Dès que t'as un ennemi qui te repère, la base entière, c'est que t'es là. Alors que le mec, il a eu le temps de rien faire, hein. C'est juste tu l'as one shot, mais il a eu le temps de te repérer une demi-seconde, bah toute la base est au courant. Ah ouais, c'est l'autre qui... Première fois, c'était bien passé. Et après... Non. Ça le one-shot pas. Oh oui, bien. À côté. Comment j'ai fait la première fois pour passer sans faire vapeur? Instant alors que personne n'est au courant.
Bon, on va franchement laisser tomber cette connasse, elle va m'emmerder à chaque fois, alors que la première fois, pas de soucis. Enfin. À savoir. Là, il se casse instant. Il me repère instant encore, putain. Oh, ils deviennent lourds. Avec ça, forcément, vu que je l'ai fait utiliser en explosif l'entièreté du bâtiment, c'est exactement ma position. Sauvegarde qui m'a foutu dans la merde. A l'air d'aller. Faut que je me regarde dans mon sens.
C'est une galère pour trouver le bon chemin. Maintenant que tu fais essayer, toi. Espérons que tous les autres ne soient pas alertés à cause de la drésine avec le cadavre qui se balade tout seul. Salut Ermite. Merci pour le don de l'autre fois. Tu l'avais fait hors stream, donc j'avais pu te remercier de vive voix. Ah non, on peut pas sortir. Celui-là. Et ça servait que j'upgrade mon diable. Vite, j'aurais vendu. C'est peut-être la meilleure chose que j'aurais pu faire. On va l'acheter. Pas compliqué au final. Ça me rassure. Et si je meurs, on retombe pas. 3 ans en arrière.
Je me demande limite si ça se vendrait pas plus cher que mon AK. En parlant d'AK, j'ai regardé pour l'AK 74U. Ah, dans mode Ranger, mais oui, moi je suis en mode survie. Je vois ça, je suis trop en train de penser à un passage, mais c'est de Metro Last Light. Une fois que j'avais repris mes esprits, tout espoir s'était envolé. Les prisonniers des fachos servaient d'esclaves ou de cibles d'entraînement. Pourquoi hésiter ? On va buter cet espion rouge et en finir avec lui. On devrait pas appeler la Gestapo. Ça leur prendra une éternité d'arriver jusqu'ici. Qui va surveiller ce port en attendant? Bien vu. Très bien, bâtard de rouge. Dédie ta dernière prière à Marx, ou à qui tu veux. Si tu nous supplies, on réfléchira peut-être à la possibilité d'abréger tes souffrances. Ce que j'aime chez les méchants, c'est qu'ils discutent toujours beaucoup trop avant de se décider à appuyer sur la gâchette. C'est peut-être à cause de la qualité. Jamais si t'as une connexion un peu moins puissante. Bah, si t'as de la chance, on peut choisir la qualité d'ailleurs, si ça vient de là. Elle est bonne celle-là. T'as rien à rouge? Et bon sang, t'es qui? C'est la plaque de Hunter. Je ferais mieux de l'emmener voir Melnick. Quel que soit ton message, garde-le pour lui. Très bien. Allons vers la voiture blindée. Pavel, tu le conduis dans la voiture blindée jusqu'à notre Drésine. Ensuite, on sera tout prêt. Il restera que la brèche et la station noire. Et la mission, alors ? Hé, hey, Melnick te filera une médaille si tu lui donnes des nouvelles de Hunter. Je
Je m'occuperai de la mission. On se retrouve à la station Mars. Fais gaffe là-bas. Non, je me rappelle plus de ça aussi. On va demander conseil à Mister X. S'il y a moyen de passer, c'est un boîtier électrique qui est désactivé. Tenter. Tu devrais neutraliser la toile. On te repérera moins facilement. J'espère que tu sais te servir d'une mitraillette, petit. Eh ben les gars, bonne chance à vous. On va neutraliser la tourelle. Cette traduction parfois est assez spéciale. Ah oui, non. Ah ça c'est horrible. Parce qu'on peut pas regarder à gauche et à droite, on doit utiliser les touches de déplacement. Les barrages sans se faire remarquer. Si tu gardes ton calme, fermons peut-être les yeux sur le fait qu'on est l'équipe de remplacement. Si ça merde, fais ce que je te dis. C'est en code spécial. Qu'est-ce que vous faites là? Ce véhicule n'est pas inscrit sur la feuille de transport. On nous a demandé de nous rendre au barrage... plus haut, Air Officier. C'est pour livrer les munitions. Ils ont déjà reçu la cargaison de munitions. Qui êtes-vous? Remontez vos visières. Arrêtez! À l'air! À vos véhicules! Ah ouais... à moitié mort. Mais je peux pas me soigner, hein. Thank you.
l'impression de jouer à la manette. J'ai l'impression que je devrais être mort au moins 4 fois là. Salut Mikey. Ça va. Oh bon. On se brouille, Artyom. Non, la bonne étale. Bon, si on nous emmerde, si on vient ici. Enfin, je vois pas pourquoi il y aurait de raison de revenir ici. Est cassé. C'est une référence également. Ouais, c'est bizarre. Pour la montre. Ah ouais, elle l'a cassé. Une grenade ou quoi?
celle-là. Celle-là. Oh. Merci, j'aurais complètement zappé. En fait, c'était une... un coffre mini. 50. Après notre affrontement avec les trains des fachos, j'aurais pu penser que le plus dur était derrière nous. Encore une fois, je me trompais. On y est presque. Ullman doit nous attendre à la station noire. Attention! Bon sang! Ils avaient besoin de construire toute cette merde! Fais attention, sinon tu vas te faire assommer! Soit tu te baisses, soit tu tires! Ouais, cet endroit file la chair de poule. Fais bien attention dans ces tunnels. Si t'es distrait une seule seconde, t'es mort. On a déjà eu un accident. On l'a retrouvé avec les bottes du type sur la drésine. Écoute-moi. On va bientôt arriver à la station. Elle devrait être déserte. Mais tiens-toi prêt au cas où. De la lumière. Je dois y avoir quelqu'un. Abat-le, Artyom ! Fermez les portes ! C'est un début. On doit sortir d'ici, vite ! Oh ! Et voilà ! Cache-toi derrière les... Ouais, ouais, je sais, je l'ai fait dans mon stream précédent, et ici, ben... J'étais très bien concentré sur l'écran, comme l'a fait remarquer Mike. Heureusement qu'il n'y avait pas de trésine, sinon on s'est fait avoir comme des rats. Thank you.
Des nos Alice. Tuez, sinon on est cuit. C'est pris dans la gueule, je comprends. Tristesse. En fait, il y a blindé d'histoire. Seul. Si c'est à gauche ou à droite, il y a un truc à récupérer. Dans un sens, on termine la mission, et dans l'autre, on va récupérer de la merde. Donc. Ah, voilà.
Pavel mort, je me retrouvais seul. Mais je devais rejoindre la station noire d'une manière ou d'une autre. Ullman m'y attendait pour me conduire à police. Absolument aucune raison de faire ça. Un humain ? Mais comment ? Viens par là, vite ! Je sais plus comment ça s'appelle le fait d'avoir deux textures qui sont l'une sur l'autre. Essaye de prendre la place des deux. Comment les hommes dans cette unité ? Appelle le capitaine. Une unité spéciale. On est dans une sacrée merde ici. Et maintenant, toi aussi. J'ai aucune idée de ce que tu fabriques ici, mais un tireur en plus, c'est bon à prendre. L'accès à la station est fermé jusqu'à évacuation complète. Prépare-toi à te battre, et prends toutes les munitions qui restent dans la réserve. T'es avec nous maintenant. Notre escouade s'appelle les Enfants du Souterrain. Mes amis, il faut Z-fighting, voilà. L'ennemi pendant quelques minutes. Je vous mentirai pas, le combat sera rude. Mais pensez à ceux que vous aimez et qui sont restés dans la station. Ne montrons aucune pitié aux monstres qui passeront nos lignes. Alors faites-le plein de munitions et montrez à ces créatures comment les vrais hommes se battent. Chargeur vide.
Il y avait mon pote entre le Zalis et moi. Lui qui a encaissé toutes les balles. Je crois que si je l'avais pas déjà fait, on aurait eu le succès de trop de mutants sans personne ne passe. Il faut prévenir police. Mais je peux pas continuer de combattre, comme tu le vois. J'ai une mission capitale à te confier. Va dans la tour de la radio. Contacte police. Et diffuse le message d'urgence que j'ai préparé. Bonne chance, mon frère. De Chotty. En principe, ici on n'en a pas besoin. On va avoir à faire des petites merdes pendant les murs. Moi je parlais pas des rats, hein. Je parlais des petits nosalis. Revolver les one shot pas. À voir. Parce que je suis monsieur aussi. Bien chelou. Ah, c'est chiant aussi quand dans tu joues à un jeu et les ennemis font des mouvements saccadés, du coup ils partent dans un sens, puis pouf d'un coup ils se retournent dans l'autre sens. Ça dans les jeux multi c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Les animations ne sont pas... vide. Ces poupées sur lesquelles on peut plus marcher. Thank you.
bien il y en a. Et on a moins. Bon, j'ai kiffé à cause de ça, d'être sérieux. Coriace celui-là. Si je vais pas, plutôt jouer au revolver en fait. Certains passages depuis Isla sont sans même mieux. Je crois que le revolver, franchement, ça one-shotterait les. Merde. What? Mais bien sûr, te gêne pas surtout.
Du coup, quoi? On n'est pas censé aller là. Bon, aller là, c'était une chose. En sortir, c'en est une autre. Ah bah ok. Ah, génial. Oh, mais c'est ultra facile en plus. Ah, moi qui m'attendais à être bien bloqué, à devoir recharger la dernière sauvegarde, qui est pas très loin, on est d'accord. Bah, ça traverse tout le bazar. Ça va. À travers en plus. Ça, il pourrait être contourné, mais non, ça passe à travers. Plus simple. Je sais plus par où il fallait passer. Il y a un truc en particulier à faire ou juste continuer. Ouais, donc du coup on a su combien.
Ça me perturbe. Ouais, il suffit de passer simplement. En gros bourrin. Vers la Drésie. Je me rappelais pas qu'il y en avait juste une infinité. Bien claquer deux ou trois chargeurs. Et plus. Des planques. On m'appelle. Bon bah on m'appelle, on me dit tu descends. Ok. On va voir ce qu'on me veut. Je pense pas que je reviendrai pour stream plus tard. Donc ben voilà, hein, ce sera déjà la fin de ce stream. Et on se retrouve, j'imagine, demain. Donc voilà, passez une bonne soirée, une bonne nuit et à la prochaine.